Salut tout le monde, c'est Hooper. On se retrouve avec Île de Sturmovik, Birds of Prey. Une vidéo découverte, un petit direct live. Perdons pas de temps, c'est parti. Donc c'est la démo bien sûr. Je crois que le jeu vient de sortir. Il est sorti début septembre. Attendez, je regarde un petit peu le micro. Là comme ça ira mieux. Je crois que ce jeu est sorti début septembre sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Donc apparemment c'est une sorte de simulation aérienne, le truc classique, seconde guerre mondiale. Ce que je me pose comme question, c'est si c'est plutôt typé arcade ou plutôt typé simulation. Je n'en sais rien du tout. Donc c'est ce que l'on va tenter de voir tout ensemble. Alors que là on a des images d'archives, apparemment de la seconde guerre mondiale. Ah non, maintenant on a des images du jeu je pense. Ouais, donc ça a vraiment l'air... Non, on peut pas dire comme ça, c'est plutôt simulation ou arcade. En tout cas, c'est bien ça. C'est donc qu'on va probablement piloter des avions de chasse. Bon, je connais pas trop ce genre de jeu. J'avais un jeu à l'époque sur PC, ça s'appelait Combat Flight Simulator. J'ai joué beaucoup de temps, c'était mon premier Flight Simulator. Et j'ai adoré. C'était... au début des années 2000. Ça s'appelait Combat Flight Simulator. Après, il y a une suite qui est sortie. Je l'ai pas essayé. Mais moi, c'est le premier. Et franchement, c'était excellent. Quoi. Mais c'était vraiment de la simulation. Hein. D'ailleurs, je m'étais pris un joystick spécial pour ça, pour ce jeu-là. Mais c'était énorme. Mais il fallait en vouloir. Quoi. Il y avait le bouquin. Ah oui, ça. Pas le bouquin Solus. Le guide qui était vendu avec le jeu. Mais je peux même pas vous. Il faisait plus d'un centimètre d'épaisseur. Le guide vendu avec Combat Flight Simulator. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je l'ai encore. Hein. Il doit être dans une de mes armoires. Enfin, bref. Donc voilà, apparemment, c'est parti. On va commencer direct. Comme d'hab, on va pas trop voir ce qu'il y a dans le menu. Ah, Didacticia, putain. Si on fait directement le mode campagne, je sens que ça va foirer de bout en bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le didacticiel. Allez, quand même un petit coup du didacticiel pour un peu de quoi il en retourne. Formation primaire. Instruction vol, commande avancée. Bon allez, on va faire l'instruction vol classique. Fera découvrir la chasse de... J'y vois rien. Ce vol de formation vous fera découvrir le chasseur Spitfire. Le chasseur Spitfire, il est de retour. MK2 et ses camarades. Moi je lis et ses commandes. Et ses commandes plutôt, pas et ses camarades, et ses commandes. Vous découvrirez également, et je sais pas si vous arrivez à lire, moi j'y vois à peine. Vous découvrirez également plusieurs manœuvres importantes au combat. Décidément, j'ai peut-être besoin de lunettes. Ou alors c'est écrit trop petit, au choix. Bon, voilà. Alors, il faut savoir que le IL-2 Sturmovik est un avion de chasse russe, hein, de l'URSS. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des meilleurs avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale, hein, en tout cas pour la Russie. Alors, est-ce que ça va parler? Non, ça ne parle pas. Alors, j'aurais bien aimé un petit tutoriel avec une petite voix derrière. C'est toujours plus sympa. Alors, j'espère que ça va pas être écrit. Non, ça va. C'est écrit, mais plus gros. Bienvenue à votre formation de base de pilotage. Avant de vous laisser affronter l'ennemi, voyons ensemble quelques commandes de base. Nous allons également couvrir quelques éléments non inclus dans les manuels. Tout d'abord, étudions les commandes. Ces éléments sur vos ailes s'appellent des ailerons. Ils servent à commander le roulis de votre avion en déplaçant les ailerons vers le haut ou vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cet accent de notre instructeur là? Ok, je t'écoute. La gouverne de profondeur.
Bon, ça a l'air ultra classique. Remarquez que vous perdez de l'altitude, mais que vous gagnez en vitesse. Maintenant, mettez l'appareil à l'horizontale en déplaçant la gouverne de profondeur dans l'autre direction. Oh putain, oh putain, oh putain, ouh ! Gardez le même cap. Ça, c'était beau. Faire tourner l'appareil s'avère légèrement plus difficile. Ok. Bon, ça a pas l'air super orienté simulation quand même, parce que là on le manœuvre assez facilement. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ce qui me fait plaisir, c'est que on a des véritables arbres en bas. Moi jusqu'à présent, tous les jeux comme ça auxquels j'avais joué, vous me direz, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas rejoué un jeu de ce type. C'était au sol, c'était que des textures. Parfois très bien faites, mais c'était que des textures plates quoi. Alors que là, apparemment, il y a du relief. Ah, non seulement il y a du relief, mais en plus il y a des arbres, vraiment on disait... Oh putain, il y a carrément des bâtiments là, voyons. Oh, il y a des bâtiments modélisés. Putain, c'est assez beau. On peut faire, on peut tirer. Ça, ça sert à rien. Ah, ok, on peut accéder à la map. Ah, nickel. Vu du cockpit, là. Ah, dommage, apparemment on peut pas... Je peux pas orienter la vue dans le cockpit, ça c'est dommage. Ou alors on peut... Ah si, on peut. Il faut appuyer sur le stick droit... Excellent, ça c'est énorme, ça c'est énorme. Cockpit virtuel, c'est énorme. La vache. Alors là, il y en a des cadrans et des compteurs. Ça a l'air pas mal du tout, franchement. En tout cas, la maniabilité est super souple. Là, on fait à peu près ce qu'on veut très facilement. Alors, c'est peut-être fait exprès parce que c'est la démo. Il y en a un qui gueule dans le casque, dans le micro. Bon, attendez, on va rechanger, voilà. Ah, ok, en fait, on a trois vues, d'accord. La vue comme ça, de derrière, la vue cockpit, et la vue comme ça. Là, c'est super immersif, là. C'est pas mal du tout. Ah, là-bas, il y a un drapeau. Ah, mais voilà, aller au point de cheminement indiqué. Bon, on va y aller, apparemment, c'est le drapeau, j'imagine. Parce qu'à côté, on voit un petit drapeau. D'accord. Par contre, le truc chelou, c'est que depuis tout à l'heure, je n'accélère pas ou je ne décélère pas. Hein. C'est-à-dire que ça va tout seul. La vitesse, elle marche toute seule. Là, je n'appuie sur rien. Donc, je comprends. La gâchette de gauche ne sert à rien. La gâchette de droite pour tirer. Ah, peut-être là. Non. Les deux gâchettes du haut ne servent à rien. Le Y, je vous l'ai montré, c'est pour changer de vue. Le B, c'est ça. Pour voir la carte. Le A ne sert à rien. Le X ne sert à rien. Et les boutons de la flèche directionnelle ne servent à rien. Ah voilà. Réduisez l'alimentation de 30%. Pour rester en l'air, essayez de compenser la perte d'alimentation en abaissant la gouverne de profondeur. Maintenant, augmentez la puissance et mettez votre avion à l'horizontale. Ok, d'accord. En fait, on accélère ou on décélère, ils viennent de nous l'expliquer, avec le stick analogique droit. Voilà. Même la pleine puissance ne suffit parfois pas. La puissance guerrière d'urgence sera donc utile pour un supplément d'accélération temporaire. Un nuage volumétrique. Continuez à voler en TGU. Augmentez votre vitesse aérienne en utilisant la TGU. Attendez, augmenter votre vitesse en utilisant quoi? Ouh là là, attendez, ça a l'air plus compliqué que ce qui n'y paraît là. Alors, remettez le gouvernail en position neutre. Maintenant, nous allons apprendre à prendre de l'altitude, ce qui est plutôt important dans un avion. Tirez le manche à balai vers vous. Si la vitesse ascensionnaire diminue, augmentez la puissance. Allez, je vais aller au maximum de la hauteur. En haut à gauche, on voit l'altimètre. Je suis à 3600 mètres. À piqué, c'est l'inverse d'une montée. Poussez le manche à balai vers l'avant. Votre avion perd de l'altitude tout en gagnant en vitesse. Ouais. Voyons, 4000 mètres. 4000. Ouh là là. Il y a le moteur qui tout saute là. 5000 mètres. On va tenter d'aller au maxi. 5400 mètres. 5800. 6000 mètres. Pour mon avis, je vais pas tarder à décrocher ou je ne sais pas là. 7000 mètres.
7800, 8000 mètres. Oulala, mais attendez, je peux aller jusqu'où comme ça? 8500. Ah, peut-être que je peux plus, attendez. Non, non, c'est si je peux encore. Hein. 9000 mètres, truc de fou là. On va changer de vue. Oh putain, merde, ça y est, j'ai décroché, je crois. Non, non. Attends, on va continuer comme ça. Bon, apparemment, c'est quand même plutôt orienté simulation comme truc. Hein. On va atteindre les 10000. Voyez un peu, j'atteins les 10000 et puis je m'arrête là. Hein. Poussez le manche à balai vers l'avant. Votre avion perd de l'altitude tout en gagnant. Voilà, 10000. Allez, on s'arrête là. On redescend. Voyons un peu. Ah, ça rame pas, hein. Ça lag pas, même quand on est tout en hauteur. Bon, les textures ont quand même bien été réduites au sol, ce qui est logique, vous me direz. Ça reste tout à fait correct. Par contre, on voit pas extrême. Ou alors c'est le nuage, mais. Ou alors je sais pas ce qu'il y a au loin là. Ah, ou alors c'est la mer peut-être. Ah non, c'est la mer, d'accord. Ça, je me disais. Soit c'est un clipping de ouf là au fond. En fait, c'est la mer. D'accord. Par contre, j'ai pas encore compris ce que je devais faire là. Piquer. Bon, on va piquer. Oh, le bruit. Yeah. Mais je ne suis pas un débutant. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Comment je fais cette boucle? On va tenter comme ça. Ah non, une boucle vers le haut, d'accord. Ok, on va tenter ça. Attention, c'est parti. Ouais, ça devrait fonctionner comme ça. Pas réussi là? Et eh ben alors, c'est pas une boucle ça? Pour faire une boucle, tirez le manche à balai le plus possible vers vous et actionnez la PGE. Ah non, mais qu'est-ce que c'est la PGE? Mais c'est quoi la PGE? Actionnez la PGE. Là, je peux rien. Attendez. Je sais pas ce que c'est moi, actionner la PGE et. Ah, c'est correct. C'est correct au niveau graphique, hein, vraiment. Pour un territoire aussi vaste que ça, c'est même plus que correct, j'ai envie de dire. On va accélérer. Ça se dirige vraiment bien en tout cas. Je sais pas s'il y a plusieurs sortes de contrôles, mais là, j'ai pas vraiment de soucis. Évidemment, il faut voir si les missions. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que je comprends pas grand chose. Quitter la mission. On va faire un truc, une mission de la campagne. Parce que là, le didacticien, je ne comprends plus rien. Il m'a dit de faire une boucle, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et pourtant, quand je suis revenu en bas, rien ne s'était validé. Donc, je ne sais pas. Ouais, ouais, je sais. Putain, on n'y voit pas grand chose. C'est très. Ouais. Non, je veux pas faire la formation là, c'est bon. Commande avancée, combat aérien. Ah, on va tenter quand même le combat aérien. Allez, le tutoriel du combat aérien. Je vous laisse apprécier, je vais pas trop parler. J'augmente un petit peu mon son. Et je vous laisse apprécier la voix du copilote britannique. Yeah, il parle toujours comme ça. L'activité de la Luftwaffe dans la région a augmenté ces derniers jours. Ceci n'est pas surprenant. Les Boches rassemblent des forces en France. Nous risquons de tomber sur un ennemi ou deux. À votre dernière sortie, vous avez fait preuve de votre capacité à descendre des ennemis. Mais j'ai oublié un point important. Vos armes ont un recul qui vous ralentit légèrement. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qu'il me dit à tirer? Continuez à tirer. Vous n'avez pas à vous soucier des munitions aujourd'hui. Cela
Bon, est-ce qu'il va nous apprendre quelque chose d'utile en combat là? Parce que pour l'instant, tirer, c'est la seule chose que je sais faire, hein. Et ça y est, c'est fini. Attendez, si le tutoriel des combats aériens est fini, c'est un petit peu du kikoulol là. Il parle plus. Ah voilà, détruisez les barrages de ballons ennemis. C'est où ça? Alors, est-ce que j'ai une indication quelque part? Non, il n'y a pas de drapeau. Non, ben, y a rien du tout. Ok, ben, y a rien. Ah, peut-être le plan en haut. Non. Ah si, là-bas. Sur le radar, là, en haut à droite, je vois une flèche. Donc apparemment, ça serait pas, ça serait par là. Ce qui m'étonnerait, parce que là, on est dans l'océan, là, donc... Ah non, c'est le nord que ça indique. Non, je suis gouré. Bon, bah, écoute, on s'arrête là, je comprends plus. Je comprends que dalle à ce tutoriel. Allez, on fait la campagne. On a assez perdu de temps dans ce didacticiel. Oh, pas trop mal, en tout cas. On a un mec qui nous explique. Et ça, c'est toujours plus sympa qu'une simple écriture. On a vraiment un mec qui nous explique. Alors, on part de là. Non, je pars de là. La campagne. Bataille d'Angleterre. D'accord, c'est la bataille d'Angleterre. 8 août 1940. Donc, est-ce que je peux choisir? Non. Bataille des Ardennes. Non, je peux pas choisir, je suis obligé de prendre ça. Le ciel embrasé de Douvres. Ok. Niveau de difficulté. Arcade. Je peux pas le changer apparemment. Tentative supplémentaire. Oh ben illimité, on va le laisser à l'illimité. C'est très bien illimité. Et c'est parti comme ça. Bon, ben j'ai envie de dire pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal, mais évidemment... Ce genre de jeu, c'est pour public averti. Hein, voilà. Il faut savoir dans quoi on s'aventure. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'imprégner du truc, le temps d'apprendre les commandes, tout ça. Sinon, je pense pas qu'on puisse s'amuser, quoi. À l'époque, j'avais pris le temps dans Combat Flight Simulator. En plus, c'était pareil, c'était la Seconde Guerre mondiale avec pareil des vieux coucous comme ça. On commençait toujours sur une piste de décollage. Déjà, pour réussir à faire décoller l'avion, c'était déjà un challenge en soi. Hein. Attaquer un petit... Ah, le voilà. On va tenter de se les faire, là. On va laisser comme ça. Putain, c'est chaud, là. Ah. Je l'ai pas eu, là. Oh, je l'ai eu. Ok, je vois le truc. Ah, ça me fait vraiment penser à Combat Flight Simulator. Sérieux, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, la réalisation est juste deux fois supérieure. Je peux plus vous dire exactement quand était Combat Flight Simulator, mais c'était la même chose. Ça devait être au début des années 2000, un truc comme ça. Ouais, je vois le truc. Ouais, mais c'est ça, hein. Le souci, c'est que dans ce genre de jeu, faut quand même être un petit peu fan de cette époque, ou alors être fan des... d'aviation ou ce genre de choses, sinon c'est vrai qu'on s'ennuie quand même très vite. Si on fait toujours ça, c'est toujours le même genre de mission, hein. Parfois c'est des bombardiers qu'il faut atteindre, mais bon. Je peux pas vous dire s'il y aura des cibles au sol, c'est possible. Et étant donné qu'il y a des reliefs, étant donné qu'il y a des bâtiments, le sol est vraiment vraiment pas mal fait quand même. Franchement, la campagne, là, les champs, la verdure, les couleurs. Ah carrément, oh, putain c'est énorme, on voit carrément les impacts au sol. Là, il y a un avion qui a dû s'écraser. Ah non, c'est pas mal foutu, franc. Et surtout, c'est super fluide. Là, c'est ça qui m'impressionne. Ce Combat Flight Simulator, c'était sur PC, bien sûr. Hein. Ce genre de jeu a toujours vu le jour sur PC. Sur console, on n'a jamais eu ça. Hein. Vu que généralement, ça demande un disque dur, de la mémoire et tout. Donc, maintenant, on peut faire ça avec la PS3 et la 360. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Mais surtout, ça ramait. Tous ces jeux-là, ils ont toujours ramé. Alors que là, c'est d'une fluidité... Ah, celle-là, vous savez quoi? C'est ça qui m'impressionne, surtout. C'est que le jeu est super fluide. Ah, c'est non, on voit carrément les parachutes. Bon, je vois qu'il y a des bonhommes en bleu, des bonhommes en rouge. Je dois être avec soit les rouges, soit les bleus. Je peux pas vous dire. Est-ce qu'on voit quelque chose, là? On voit pas grand-chose. Attaquer un petit escadron de bombardiers ennemis. Descendez. Ah, putain, mais d'accord, je suis pas en pause, là. Raté lui. Ouf.
Bon, je sais pas si pour les besoins de la démo c'est extrêmement facile ou si c'est moi qui me démerde comme un god. À mon avis, c'est extrêmement facile. Hein. je sais pas, on se fait pas attaquer ni rien. Ah, c'est pas mal fait. Putain, regardez là. Oh là, il va s'écraser. On va tenter d'aller voir ça. Ouh, c'est joli. Attention, il va se crasher. Oh putain, on l'a pas vu. Si, on l'a vu. Mais je remonte quand même. Hein. Sinon, c'est moi qui viens me planter. Bon, bah, apparemment, on peut pas faire grand chose. Ah, t'as regardé en haut, là, en bas à droite, il y a une petite. Je sais pas si c'est moi. Voyons. Ah, si, je crois que c'est moi. Tiens, c'est marrant. Pas sûr. Mais ouais, mais putain. Le problème, c'est que je repère, comme d'habitude dans les vidéos du Hooper, je ne repère pas mes alliés de mes ennemis. J'imagine que les ennemis sont les rouges. Je peux pas vous dire, je suis pas sûr, hein. On va ralentir peut-être, voilà, on va ralentir. On va tenter de se mettre derrière lui, là. Voilà, c'est comme ça, en fait. Ouais, je suis con. Je suis trop con parce que je vais tellement vite qu'à chaque fois, je les dépasse. Alors qu'en fait, il faut jauger la vitesse. Oh, putain, excellent, il a perdu une aile, regardez-moi ça. Il tombe en vrille. On va regarder ça d'un peu plus près. Ouais, on va... Ouh, là, on décélère. Ça y est, je commence à tâter de la bête. La merde, on va pas le voir à cause du nuage. Si, c'est bon. Pas mal du temps. C'est assez impressionnant tout de même, vraiment. Vraiment, c'est tout de même assez impressionnant. Ok, on va accélérer un petit peu. Là, on va se faire lui, là. Évidemment, là, j'ai des munitions illimitées. Comme indiqué tout à l'heure, là, sur le menu. J'arrive pas à le mettre dans le viseur, voilà. On va peut-être changer de vue un peu pour voir. Ah, j'ai pas eu là. Je suis trop loin ou quoi? Pourquoi j'arrive? Ah si, ça y est, je l'ai eu, je crois. On va accélérer. On va essayer de les rattraper. Oh putain, non, je vais aller trop vite là. Décélère. On va se faire cet enfoiré. Allez, ça y est. Ah d'accord, en fait, en bas à droite, on voit l'avion sur lequel j'ai tiré, regardez. Un espèce de mode loop. Ah, c'est vraiment pas mal. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que bon, il n'y a pas grand chose non plus à faire ou à dire de plus. En tout cas, il y a beaucoup d'avions. La vache, j'ai l'impression qu'il doit peut-être y avoir une cinquantaine d'avions tout de même en l'air. Non, rien que ça, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est un jeu pas orienté simulation parce que là, c'est arcade, clairement. C'est-à-dire, en tout cas, c'est beaucoup plus arcade que le Combat Flight Simulator que j'avais pu. Auquel j'avais beaucoup joué. C'est pas mal. Mais évidemment, c'est réservé pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Hein. Personnellement, j'ai déjà connu ça, donc je pense pas que je vais me le prendre. Mais c'est pas mal du tout. La réalisation, en tout cas, est vraiment pas mal. Bon, après, il faut voir si ça propose autre chose. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah d'accord, c'est une fumée. Après, évidemment, il faut voir si ça propose autre chose. Ou alors, si ça reste seulement dans des combats comme ça. Il faut voir également s'il y a du multijoueur. Déjà, à l'époque, dans Combat Flight Simulator, il y avait du multijoueur. Et ça, c'était incroyable. On pouvait se faire comme ça des gunfights dans les airs. Dans le premier Combat Flight Simulator. Enfoiré. Et comment j'ai fait ça, là? Attendez, comment j'ai fait ça, moi? Ah, d'accord, ok, en appuyant sur le bouton, sur le stick, on a comme ça une vue à l'arrière, d'accord. Ok. Je vois le truc. D'accord. Bon, on va s'arrêter là, voilà. Je pense que vous avez un petit aperçu de ce jeu-là, hein. Faut savoir quand même que la démo pèse 1,22 giga. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est quand même super vaste et tout, là. C'est... Ouais. 1 giga 220 MO. Allez, on va se faire lui pour finir. Et puis après, on s'arrête là. On accélère un peu. Pas trop.
Évidemment, je n'ai pas du tout comprendre au niveau des commandes, forcément, mais bon. Vous avez quand même un aperçu. Et voilà. Magnifique. Allez, on s'arrête alors. On va quand même se planter pour le final. Alors, voyons, où est-ce qu'on peut se planter? Un beau paysage pour se planter. Voyons. Il faudrait une maison ou un truc, là. Il n'y a pas grand-chose. Voyons par là. Putain, mais j'ai l'impression que chaque maison a été modélisée. Putain, c'est énorme. C'est énorme, regardez. Chaque maison a vraiment été modélisée. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Dans un jeu de ce genre, c'est ouf. Allez, premier truc qui arrive, je me plante dessus. On va tenter de faire du Razmot, allez. Ça, c'est ce que je faisais souvent dans Pilot Wings. Pilot Wings 64. Je m'amusais toujours à faire comme ça du Razmot, au plus proche. Voilà, hop, avec le relief, on remonte. Ah, là, quand même, ça rame un petit peu. Hein. C'est pas totalement fluide. Ouh, c'était chaud, là. C'était chaud, là. Ouh, là, il y a eu un carnage, là. Avec toutes les carcasses là. Ah, j'aime bien. Allez, on va se monter là. Ah, c'est ça. Toutes les maisons ont été modélisées. Bon, elle ressemble évidemment plus un petit peu à des espèces de modèles réduits, de maquettes. Mais regardez, c'est hallucinant ce qu'on voit là. Ce qu'on voit là, ça m'hallucine. Un village entier a été créé dans un jeu comme ça. Alors là, on va se quitter là. Là, ça m'hallucine ce qu'on voit là. Non mais vraiment, est-ce qu'on peut faire un zoom? Non, on peut pas bouger. Je peux continuer en appuyant sur le bouton A. Eh mais ce qu'on voit là, franchement, ça m'hallucine. Totalement. Je suis sur le cul. Un village entier, on voit les routes, on voit les sentiers, on voit chaque maison. Les maisons sont différentes. Mais je suis sur le cul de ce qu'on voit là. Je suis sur le cul. Voyons un peu si on fait continuer. Mais regardez-moi ça. Mais c'est une ville. Attendez, je vais décélérer là, pour qu'on puisse apprécier ça. Ah ouais, c'est... Bon, évidemment, là on... On voit quand même que les textures au sol sont vachement floues et tout, bien sûr, mais quand même. Eh, mais quand même. Oh putain, accélère là. Ouh. Bon, j'imagine quand même qu'on peut pas les détruire. C'est un peu trop demandé, ça. Franchement, je suis bluffé au niveau de la réalisation. Allez, on va se planter dans la flotte. Je vous dis bye bye. Ouh, on va tenter d'amérir. Ah, là c'est la question. Est-ce que je vais me planter directement ou est-ce qu'on va pouvoir tout de même tenter une espèce de truc sur la mer? Essayer d'amérir sur l'eau à votre avis? Je sais pas, à mon avis on va pas pouvoir. Je vais me planter tout seul. Est-ce que j'ai raison? Ah bah mais là, putain. Allez, vas-y. Ah putain. Allez, vas-y. Ouais. Ah, il a un petit peu améri, mais après il s'est planté, l'enfoiré. Allez, je vous laisse là-dessus. Ben voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Le maniement aussi, j'en ai pas parlé. Le maniement, vraiment bon, vous avez vu là. Quand j'ai fait du Razmot, j'ai eu aucun souci, aucun problème pour le faire, alors que je ne connais pas du tout le jeu. Et malgré ça, je suis resté à quelques mètres du sol pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes. Donc le maniement, très bon, surtout compte tenu de la manette de la 360 qui est pas vraiment faite pour ce style de jeu. Donc voilà, vraiment pas mal. Technique comme un petit peu bluffé, surtout pour le village là, avec toutes les petites maisonnettes modélisées. Je reste un petit peu sur le cul. À part ça, ça me paraît tout de même vraiment classique. Ayant joué à l'époque à Combat Flight Simulator, je vois pas de grosse différence à part le renouveau graphique. Voilà, j'ai envie de dire pour les amateurs du genre. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.